Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Miasma Chronicle. Dans le dernier épisode, on avait retrouvé enfin notre maman, qui s'avère ne pas être notre maman. Cependant, quelques indices nous laissent à penser qu'on serait le fruit d'une expérience génétique afin de contrôler les miasmes. On sait que Bamadi est du coup la dernière des artisans et elle veut nous montrer la réalité des choses afin que l'on accepte qui on est. Et pour cela, il va falloir retourner, pardon, au temple des artisans, ce qu'on va faire dans cet épisode. Mais avant toute chose, et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins une vidéo par jour. Donc, on va se TP rapidement. Eh bien, au temple des artisans, puisque c'est là qu'il faut qu'on se rende, afin de savoir la vérité. On sait qu'au temple des artisans, il restait une porte fermée. C'est peut-être là que l'on va aller. Mais on dirait bien que c'est le cas d'ailleurs. She better tell me everything. She has to. Ouais, effectivement, c'est bien sur la dernière porte fermée. Welcome. Beyond this gate lie the proving grounds. These proving grounds are what exactly? A place where editors test their minds and courage by confronting their deepest fears. Can we skip the deepest fears part? There are no shortcuts to enlightenment. Ok, on va peut-être vérifier quand même ce qu'on a. Énergie, portée de lancer, durée 2, modifier. Mettre autre chose, voilà. Ça, je préfère. Je vais le modifier. Un emplacement vide. Étourdit les ennemis robotiques. Ça, c'est pas mal. Vampirisme. Rétrécit les cibles. Les dégâts d'acide. Du feu. Et ici, réduit le coût. Paf! On va faire ça. Et toi, tu veux ça. Étourdis les ennemis robotiques. Non. Ouais, non plus. Rien d'intéressant. On va y aller comme ça. Your test begins. Walk like wolves. Le terrain d'entraînement. Bon, je pense qu'on doit pouvoir gérer. Hein. En plus, Elvis, il a une arme qui lui permet de générer pas mal de kilowattheures pour utiliser beaucoup plus nos pouvoirs. On va quand même passer avec Jade. This is some editor training area, right? Does that make us editors? C'est par ici. On va quand même essayer d'avancer. On peut passer par là. Très bien. Cependant, j'ai quand même envie d'essayer de venir là d'abord. Oui, je vois des choses à récupérer, mais je vois déjà des ennemis au loin. Ennemi difficile niveau recommandé 20. Ah ouais. Il y a un truc à ramasser là. Unité en cobalt. D'accord. Très intéressant ça.
trop de monde. Est-ce que je peux remonter? Là-bas, il y avait un objet que j'avais raté. Du plastique. Et je crois bien qu'ici aussi, non? J'ai cru. Pas du tout par là qu'il faut qu'on aille. Par contre, si on peut en tuer un ou deux petits au passage. Je veux dire, ça serait pas du luxe. Voilà, genre comme ça. Oh, très joli. Par contre, c'est quoi? 59. 93, c'est mieux. Parfait. Tu vas me cacher. Ouais, là-bas. Ils sont nombreux. Mais je sais pas si je pouvais en isoler encore un ou deux. C'est bien de le faire, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai pu voir quelque chose, non. On va quand même essayer de fouiller ce qu'il y a dans la zone. Plastique, ça c'est bien. Ça, je peux rien faire là-dessus, là. Furtif. Ouais, là, il y a trop de monde. Hein. J'ai pas l'impression de pouvoir faire quoi que ce soit. On reviendra, je pense, il y aura quelque chose à y faire. De toute façon, niveau recommandé 20, on est niveau 12. Honnêtement, pas la peine d'essayer de faire les fous. Plastique 80. C'est par ici qu'il faut qu'on aille. On va quand même tout fouiller, hein. Comme toujours. Un peu de plastique. Tout ce qu'on trouve, c'est du bénéf. Hop. Plastique encore. Ok, là, c'est la traversée de la rivière. Passer de l'autre côté. Est-ce qu'il y aurait des choses par là? On dirait un vieux parking. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Super grenade à main. Nice. Ça compense celle qu'on a utilisée tout à l'heure au temple. On va aller voir ici, non? La petite aire de pique-nique avec la vue. Un peu brumeuse, il faut bien le dire. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es arrivé là avant nous? This is your first trial. The miasma is not evil. It is angry. Show me how you heal its anger. Ok. On va aller faire ça. Ok, là il y a du monde. On va commencer par vider ici, je pense.
Reste 5. 68. Ok, on s'en sort bien là, franchement. Parce qu'on n'est pas passé loin. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un robot. On va aller l'examiner. Hey there, Becky again. Could we discuss today's itinerary? State your purpose. I'm Becky Digits, travel assistant to Mr. Worthington, aka you. Hello. So, it looks like the electrical storm postponed your flight again. There was a coach seat available, but I was like, ew, no thank you. History accessed. What was the last thing you were doing? Making sure you had the best vacation ever. Vacation? We're in a toxic wasteland. The spa is 5 stars and the golf course has anti-grav? So, wasteland? Really? Listen, I told you to go to Paris, but you said, no, Kentucky. So don't blame me. What can't I say about Edison? They're super awesome. They, like, care about people. They feed the homeless. They made me, which by itself is, like, award-worthy. Much obliged, miss. Donc on va continuer d'avancer. Je sais pas si je peux monter sur ce toit-là. Oui. Ok, et là, il se fait voir par l'autre. Ce qui est pas cool. Je sais pas si l'autre peut se déplacer. Oh, je peux faire ça par contre. Alors, ouais, je veux que tu viennes ici. Tu passes en furtif. Back. Tu vas venir ici. Tu passes en furtif. Et toi, tu vas balancer ça. It looks like there are no pizza delivery services available in your area. Il y en a qui se pointe. Très bien. Évidemment, il n'est pas vu. Mince. On peut se déplacer. Jusque là. Mince. Et là, il est vu. Ça, c'est pas cool du tout. Je viens là. Ah, je peux pas faire ça. Voilà qui ne m'arrange pas. Il déplace jusque là. Ouais, il est visible comme ça. Ça me va pas. Ça me va pas. Donc on va recommencer parce que je peux pas me permettre de me faire. Ok, on va retenter. Connection restored. Sorry, it's lost again. Différemment cette fois.
Ah mais c'est pareil là. Ça m'embête ça. En fait, faudrait... Je sais pas s'il peut le refaire. La même là. Et là, tu vas balancer à nouveau la radio. Cassandra Voice Service, powered by Edison. En furtif. Là, tu passes en mode embuscade. Personne ne voit rien. Parfait. Yes, élimination discrète. Du coup, après, on peut refaire la même ici. Parfait. Nice. Franchement, ça c'était bien joué. On peut aller ramasser ça. On peut aller ramasser tout ça. Il reste un hacheur à se faire. Mais le hacheur, il est tout seul. Hein. Donc vu qu'il est tout seul. Ah non, il y en a, il y a quelqu'un d'autre quand même avec lui. On va quand même y aller comme ça. Et toi, utilisez ton gant. Ça, c'est bien joué. Et on ramasse une, la cellule d'énergie. Parfait. Là, on peut rebalancer une nouvelle embuscade. Très bien. Discrète, parfait. Honnêtement, je peux demander de plus. Ici, du coup, je vais pouvoir t'éliminer, je pense. On va passer en mode embuscade. Ok, et le coup de gant pour l'achever. Ah, décharge de gant, je suis hors de portée. Sérieusement? Mince alors. Tirer aucune cible disponible. Franchement, c'est très très mal débrouillé du coup. Parce que j'ai rien de silencieux. On va voir ce qui se passe si je déclenche le combat.
Ah, si ça le fait. Non, je suis hors de portée quand même. Allez, ça commence le combat. Ok, j'ai deux lanceurs et une ombre. Ouf, oh non, c'est pas la peine. On va se faire ouvrir. Donc on va quand même regarder s'il y a rien qui traîne. Y a rien, y a pas. Ok, ce sera important de venir ici. On va aller s'en occuper, je suis sûr qu'on peut se le faire. Il va pas y avoir de problème. C'est juste que. Ah, alors pourquoi tu vas venir là? On point. Comme ça. Ah, et toi, tu vas descendre. Ok, 85. On termine directement, ouais, pas besoin de s'embêter. On a quand même été découvert. Va pas du tout, c'est pas normal d'ailleurs. Bon, on va faire les choses différemment. On va essayer de faire le tour. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore explorées. On est venu par ici. Ok, là on connaît. Alors, ici, là il n'y a rien. À explorer dans le coin, on va voir si on trouve des choses intéressantes. Si on trouvait la carte numérique d'ailleurs, ça serait pas mal. Ok, un arbrisseau, deux arbrisseaux. Ok, il faudrait qu'on monte ici. Qui a un lanceur. Est-ce qu'il est tout seul? Ça se passe bien. '91, '93. Allez, tu viens jusque là et tu me l'achèves. Parfait. Ouais, cet arbrisseau là, il s'en va. Très bien. Si on peut l'achever, ce sera très bien. Yes. Pareil pour celui-ci là.
Parfait. Les autres, par contre, je suis pas sûr. Par exemple, lui là. Non, lui il est visible par tout le monde. On peut avancer par là. Pour l'instant, c'est plutôt bien débrouillé. Je peux monter ici. J'en vois un là-bas. Ok, il te reste 5. Pareil, tu vas te pointer ici, 85, 89. Ok, ça c'est fait et bien fait. On a là. Il me reste quoi? Il m'en reste 3 encore. Ouais, il est visible par toi, évidemment. C'était sûr et certain. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de contrôler l'ombre après. Essayer de se faire une nuit là. Yes, ça c'est bon. Ça c'était bien joué. Maintenant, il nous reste toi là-bas. Ah, j'aimerais bien pouvoir toper l'ombre. Si on arrive à... Comme ça. Ça se met en embuscade. Non, pas en embuscade. Moving ahead. This way. C'est pas tellement l'ombre en fait. Donc là. On point. Voilà, ici. Oh, par contre, il y en a qui viennent là. Infructueuse à tous ces imposteurs pour causer, ils étaient là, mais quand il a fallu agir, plus personne. Continuerait à chercher les véritables descendants de l'artisan Alpha. Voilà. Énergie insuffisante, d'accord. Donc non. On va essayer les choses différemment. Ok. Pas été one shot.
La cage. Hors de portée. C'est pas vrai ça. Tu viens ici. Tu vas me faire le plaquage. Malheureusement, ouais, tu recharges. Aucun tir. Presque envie que tu fasses appel au chopper. On va tenter. On va voir ce que ça donne. Ah, exactement ce qu'on espérait. Le chaman. Ah bah non, c'est toi qui vas essayer de l'achever quand même. Raté, t'en avais pas assez. Bien mieux. Et c'est terminé. Et le chaman disparaît. Bon, ce sera bien débrouillé quand même. Et là, on va pouvoir récupérer les miasmas. Never get used to that. Pass that test with flying bullets. One and done. We good? Doubt it. Ouais, il avait bien dit que c'était la première épreuve. Explosion de miasme. Piège les ennemis dans une explosion de miasme. Une explosion mortelle qui non seulement a une portée énorme, mais peut également emprisonner les ennemis dans des amas de matière brute. Les victimes piégées seront impuissantes, cela vous laissera largement le temps de leur infliger quelques dégâts supplémentaires. Oh. Épreuve suivante. Portée 9, énergie 90. Brûleur, dégage feu et réduit le coût. On le déséquipe et tu mets l'explosion à la place. Tu me le modifies. Dégâts de feu. Réduit le coût. Ouais, là on est pas mal. Ouais, c'est stylé. Par contre, 90 quand même. Hein. Et pour l'instant, t'as 145, donc c'est bon. Toi, t'as plus que 30. On va pouvoir avancer. Quoique, on pourrait essayer de se faire... d'essayer notre nouveau pouvoir... des arbres là-bas. Mais je sais pas ce qu'il garde ici. Ou bien est-ce qu'il garde seulement quelque chose?
toi t'es vu par tout le monde. Je me dis qu'il y a peut-être, c'est peut-être ici où il y a la clé. Hein. On essaiera plus tard. On essaiera plus tard. Pour l'instant, on veut avancer. Allons-y. Épreuve numéro 2. Le chaman, c'est efficace pour se soigner. Hein. This is familiar, like I've seen it before. Alors, on voit Bamagi au loin, il y a du plastique à récupérer. Il y a plus de 40. Seriously? How'd you get here before us? I'm always where I need to be. The proving grounds continue. You mind picking up a gun and helping us prove this shit? I am Bob Marty. I prove nothing to no one. Now, come face to face with your greatest enemies. Yourselves. Oh, faut qu'on s'affronte nous-mêmes, hein. D'accord. S'éliminer soi-même, très bien. On repart ici, qu'est-ce qu'on a récupéré? Un repoussoir. 80 de plastique. Ça devrait le faire. Et tout ça, c'est à nouveau des points d'XP, hein. Ouh, il y a un joli petit objet là. Qu'est-ce que c'est? Electromag étourdit les ennemis robotiques pendant un tour. Ça, c'est sympatoche. On peut descendre d'un étage, mais je veux quand même éliminer tous ceux qui sont là. À ce niveau-là. Un peu too much là quand même. One shot, ça va pas le faire. Par contre, le lanceur peut-être. Mmh.
en plus t'es enragé, c'est parfait. On va quand même faire une petite sauvegarde ici. Elle a 300 PV quand même. Hein. Ok. Ça va le faire en fait. 78. Tu viens là. Avec 135% de chance de critique. Et enfin, notre ami un coup de gantelet. Le Jade est éliminé. Ça c'était bien vu. Maintenant, si je faisais quelque chose comme ça. Ok, ça m'a l'air pas mal, on va essayer. Le one shot, ou en plus t'es en mode enragé. S'occuper d'Elvis ici. On va essayer de descendre, voir ce qu'on peut faire. Plastique, une bouteille en verre. On a un Diggs à 340. On pourrait essayer de se le faire. Et 165, c'est bien. Ah. 98. Ah, 95. Ah, ça va pas suffire. C'est raté. Il est trop lourd. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et on ne peut pas se permettre d'affronter les autres comme ça. On était tout seul ici en alerte. Je fais ça, mais il y a tout le monde qui vient. Tant pis. Ouh, t'as été étourdi. Très bien. Donc, du coup, je peux faire ça. Ah, c'est dommage ça.
40. J'ai pas de quoi faire, hein. Je suis trop loin. Ouais, je suis beaucoup trop loin. En revanche, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux venir ici. Allez, on tente. Ok. Et donc il reste juste Elvis Nemesis. Alors là, il y a des choses à ramasser, on prend. Travel back to 2023. That's like the Civil War, right? Approche un peu trop là. On va faire une petite sauvegarde avant de s'en occuper. Ok, let's go. Notre double. Comme ça, on va d'embuscade. C'est parti. $150, parfait. C'est mieux que tout ce qu'on peut faire. 80. Un petit coup de gantelet et ce sera terminé. Ça n'aura pas été le plus compliqué des choses. Elle dose, right? I'm seeing things. Do I really look like that? Guys, test done. Come on. Nous avons vaincu nos doubles, les test de Bamadi. J'espère qu'il s'agissait de la dernière épreuve. Il nous faut des réponses, pas des tests. Bamadi va devoir s'expliquer. Okay. On a pris un niveau, on a des choses à récupérer. Donc, il faut qu'on aille par là. Mais avant de faire ça... Okay, on a ça, un super medipot, très bien. Ici, rien d'autre. Là-bas, il y a un journal. Des plastiques. La chute des artisans. Après leur défaite lors de la guerre des artisans, les quelques artisans restants ont été arrêtés par la première famille. Mais certains ont pu arpenter le monde librement. Ces arpenteurs, souvent rendus fous par la surexposition au miasme, sont évités des communautés par peur des représailles de la première famille et finissent par mourir seuls dans la nature. Et des plastiques supplémentaires, il me semblait en avoir vu là-bas que j'avais pas ramassé. Non. Enter the metal world. No, wait, meta. What's a meta? Qu'est-ce que c'est, meta? Pas forcément une bonne idée. On a l'air d'avoir réussi tout ce qu'il y avait à faire ici. Et on n'a pas la clé par contre. Hein. Donc la clé elle devait sûrement être au niveau des arbres. Des chuchoteurs et des arbrisseaux. On va continuer d'avancer. So, we're done with the tests. They have just begun. Come, I will show you what you need to see. The truth waits inside. The tomb of the Alpha Editor. Nouvel objectif, entrer dans le tombeau. D'accord. De plastique. Et le tombeau s'ouvre. Oh,
voir ce qui nous attend là-bas. On dirait que c'est moi. Who is this? You. Aha. Bite me. Big man, say something. Damn, bro. He refuses to remember. So I tell him of the vow. On the eve of his execution, the Alpha Editor vowed to his disciples. He would return from the dead and lead the editors to victory. As the First Family hunted and slaughtered the editors, we kept waiting, hoping for our savior. I ran to the tomb to hide. The lid of the sarcophagus knocked away. I looked inside and saw a miracle. A baby. Enough! It's not true. I took him from the tomb, hid him in sedentary, raised him as my... This is crazy! Who am I? The Alpha Editor. The resurrection and the light. Revived by the miasma to defeat the First Family and save America. He stares at me. Fire in his eyes. Does he remember? He must remember. No. No more adventure. I'm done. No! The collectors. They found me. They're headed for my home. The editor archive. We must go. Hurry! Révélation. Avant de pouvoir intégrer ce que Bamadi vient de nous dire, nous apercevons un vaisseau de collecteurs au-dessus du tombeau. Il se dirige vers les archives des artisans. Là où vit Bamadi. Nouveau membre. Oh! Elle a gagné 12 points. Changer de camarade. Bamadi a rejoint le groupe en tant que camarade. Vous pouvez changer de camarade depuis les temps. Les fonds de groupe. Ok. We have to get back to the editor archive. There's no time to lose. Oui, ça j'avais bien compris. Alors, on peut avoir qu'un seul camarade dans notre groupe. Il va falloir faire un choix. Tu as quoi, Bamadi? Niveau 2, arme à rebondissement, dégâts 70, critique, portée 20. Ouais, c'est une arme à disque, je suis pas fan, franchement. Tu as quoi dans tes compétences? Alors ici on a quoi? Un tir corrodant d'armure. Un tir à UM désactive les cibles mécaniques pendant 2 tours. Oh, ça c'est intéressant. 20 kW d'énergie à chaque fois qu'un tour est passé. Emplacement de pouvoir de miasme, d'accord. Ici on a quoi? Équilibre, octroi, 60 kW à un équipier. 30% de chance de coup critique supplémentaire au prochain tir d'un équipier. 50%. Tir de réaction, insensible au repoussement, on peut se déplacer à travers la surveillance, couverture partielle octroie le même bonus que complet, octroie un bonus de chance de coup critique au contournement, des kilowatts, des points de vie, des kilowatts et encore des points de vie. Ouais, je suis pas... Alors, il y a le tir à IUM qui est balèze, franchement il est balèze. Elle doit pouvoir également avoir des pouvoirs miasmatiques. Qu'on a des emplacements, donc ça c'est cool aussi. Mais sorti de ça, j'aime bien notre team telle qu'elle est. Hein. Donc pour l'instant, on va rester comme ça.
On va rester comme ça. Et eh bien, c'est quoi notre prochaine quête? Ils m'ont trouvé, se rendre aux archives. Eh bien, on va se rendre aux archives. Mais dans le prochain épisode, celui-ci étant arrivé à son terme. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, oui, vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, ciao, bye bye.